Pierre Garnier a eu un été bien rempli, celui qui avait l'honneur de porter la flamme olympique juste avant le début des Jeux olympiques de 2024 en juillet, a également pris du temps pour lui à Londres. Sur Instagram, il a partagé quelques détails avec ses admirateurs, suscitant leur curiosité et enthousiasme. La vie de Pierre a pris un tournant décisif le 3 février, lorsqu'il a remporté la dernière édition de la Star Academy, diffusée sur TF1. Ce jeune Normand, depuis cette soirée mémorable devant des millions de spectateurs, vit des jours exceptionnels. Vainqueur, il est reparti avec un chèque de 100 000 euros et a enchaîné les apparitions sur divers plateaux de télévision pour discuter de son parcours, de ses inspirations et de son premier album, Chaque Seconde, lancé le 7 juin. Cet album très personnel aborde des thèmes chers à Pierre tels que l'amour, la famille et le passage du temps. En plus de son succès télévisuel, Pierre est resté proche de sa camarade Elena Bailly, avec qui il a partagé la scène lors de la grande tournée de la Star Academy. Malgré l'effervescence autour de sa carrière, il a récemment fait savoir qu'il envisageait de partir en tournée en solo, une première pour lui. Cela lui donnera l'opportunité de se reconnecter directement avec son public, qu'il a soutenu dès la sortie de son premier single, « Ce qu'on était ». Depuis sa victoire, la vie de Pierre s'est accélérée, avec des journées chargées et des nuits probablement courtes. C'est pour cette raison qu'il a annoncé prendre une pause sur les réseaux sociaux le 31 juillet. Sur Instagram, il a expliqué vouloir se ressourcer avant la rentrée de septembre. « Je prends du temps pour moi ces dernières semaines et je ne serai pas très présent ici avant septembre. » Le 10 août, il a partagé dans sa story Instagram une vidéo où il interprète « Forget Me » de Lewis Capaldi, suivi d'un selfie informant ses fans de son retour d'une semaine à Londres et teasant un futur post intrigant. Les fans de Pierre Garnier attendent avec impatience de découvrir ce qu'il leur réserve.